Ah, ça y est, c'est la grande finale de cette Coupe continentale. Quelle affiche aujourd'hui. Oui, il y a toujours une atmosphère particulière lors d'une finale et celle-ci n'y déroge pas. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. C'est finalement un ballon perdu. Il perd le ballon. De la tête, bien joué. Les 30 derniers mètres. Cantona. Le ballon qui change de possession. Cantona. Ah, l'attaque enrayée. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Il tacle. Eric Cantona. Et c'est renvoyé par le poteau. Ah, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Ah, il n'avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. Ouais, la frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Il s'avance vers la surface. Il prend la frappe. Ah non, dommage, la frappe n'est pas cadrée. Il lui donne ce ballon de la tête. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Allez, peut-être une bonne occasion. Non, non, ça ne passe pas. Il avait bien senti le coup. On s'approche du but. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Ouais, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Cantona. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Et ça circule sans problème. Bonne. L'égalisation au bout peut-être. L'arbitre indique le poteau de corner. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, il récupère le ballon. Et l'arbitre qui n'hésite pas, qui désigne le point de pénalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Et le joueur qui ne tremble pas face au gardien.
Le ralenti du pénalty. Ah, il a parfaitement pris l'information avant de frapper. Et il a juste froidement le gardien. Très bon péno. Et ils égalisent donc un but partout. La passe parfaitement dosée. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Il choisit la frappe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Schulz. Ah, il a bien senti le coup. C'est intercepté. Les 30 derniers mètres. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Il a vu l'appel de balle. Le tir. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Il est sur la trajectoire. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Allez. Ah oui, le tir. Oh oui, elle est dedans. On est face à des joueurs bien décidés à remporter cette Coupe continentale, Pierre. Il passe devant au bon moment. La finale n'est pas finie, loin de là, mais enfin, c'est toujours plus confortable de mener au score. On revoit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait. Et 2-1, donc maintenant. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Peut-être une bonne opportunité, attention. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la coupe. Voilà, c'est reparti. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ah ouais, bien donné en profondeur. Le ballon qui sort, touche. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, le tacle qui met fin à cette action, c'est un corner à venir. On revoit ce but qui a donné une longueur d'avance à cette formation. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Avec un tir. Eh oui, il y est ! Ils viennent de donner une occasion à l'adversaire de se relancer hein, dans cette finale de Coupe continentale. Et ils pensaient peut-être avoir fait le plus dur en menant au score. Maintenant, c'est une autre finale qui commence.
Ah, le buteur, il peut aller faire un petit bisou à la barre transversale quand même. Ouais, qu'il a reçu un bon petit coup de pouce là. Mais enfin, ça enlève rien à la qualité de l'action. Belle rencontre, un score de parité maintenant de 2. Ouais, impeccable ce tacle, ce sera une touche. Ouais, c'était pas un bon ballon et son mauvais contrôle lui fait perdre la possession. Oh, l'interception. Eric Cantona, on en reste sur ce score de parité. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Et bien l'intervention, changement de possession. Ils font tourner. Ah non, ballon perdu. Cantona. Alors, carton ou pas pour cette faute? Allez, peut-être une bonne occasion. Il tacle. Cantona. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Cantona. En termes de possession, c'est assez équilibré. Oui, en plus c'est tout à fait l'effet que ça donne quand on regarde le match. Interception. On s'approche de la zone de vérité. Il est dépossédé du ballon. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre, c'est trop facile pour les défenseurs. Ouais, la tentative. Et c'est un corner, hein, dit l'arbitre. Le ballon qui file en touche. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Oh, c'est l'interception. Cantona. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. La bonne passe dans l'espace. Il tacle encore et toujours. Toujours pas de vainqueur qui se dessine dans cette finale, alors qu'il ne reste que quelques minutes. Hein. On y va tout droit, Hervé. Ah oui, superbe passe. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Ça part bien, action dangereuse. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Ouais, bel appel de balle. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il est le premier sur cette passe. Peut-être une situation intéressante là.
Oui, bon ben oubliez ce que je viens de dire. La bonne interception. Le face-à-face avec le gardien. Eric Cantona. Oh, le poteau! Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Ouais, le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre. Que de tension. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. On s'approche du but. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Et fin du temps réglementaire à l'instant. C'est donc reparti ici. Oui, on va vivre la prolongation. Bah, moi, j'adore ça. Il y a du stress, de la fatigue, des fautes techniques. Moi, je me régale. C'est mon petit côté vicieux dans ces moments-là. Oh, l'interception. Il a tout anticipé. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, bien joué la remise. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. C'est le gardien qui a le ballon. Ouais, ballon facile, hein. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Ah, le gardien donne un sourcil à son équipe, il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Il intercepte. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ouais, la passe bien assurée. Attention, ça peut être dangereux. Eric Cantona. Ouais, elle gagne son duel. Un duel pour la récupération du ballon. Allez, peut-être une bonne occasion. Oui, la bonne. Il prend la frappe. Oh, la parade magnifique du gardien. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. C'est terminé. Début donc de cette seconde période de la prolongation. Dernière ligne droite de ce match. Bon, attention aux pépins physiques. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Et il reprend de la tête. C'est pas passé loin, mais on reste à égalité pour le moment. Ballon bien donné de la tête. Les 30 derniers mètres. Et la voilà la frappe. Ils essaient de prendre le match à leur compte. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Et
Et si ce match nous réservait une belle surprise? En tout cas, c'est ce qui est en train de se produire pour l'instant. Ils jouent leur chance à fond et ça paye, Hervé. 8 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Je vous rappelle le score, hein, 3-2 maintenant. Plus que 7 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. La passe qui était trop appuyée. Il s'avance vers la surface. La bonne tête. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Bon jaillissement sur cette passe. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il vient lui subtiliser le ballon. On va en rester là dans ce match. Alors, dans quelques instants, les joueurs, le capitaine en premier va pouvoir brandir la coupe. La petite cérémonie qui va bien. Oui, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. Hein. On voit que c'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club. C'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus, quoi. Hein. Alors attention. Non, mais enfin, il y en a qui manquent de pudeur parfois, Hervé. L'impression qu'ils ont gagné une coupette et qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Allez, ils vont brandir le trophée dans un instant devant leurs supporters quand même. Ça reste un titre, c'est important. Et on voit qu'ils ne sont pas foulés au niveau podium. Hein. Ouais, il est un peu en carton, hein, le podium. Deux pauvres panneaux. Hein.